la ville en fait participe à la semaine de la solidarité internationale. Et on voulait savoir ce que ça évoquait pour vous ce terme-là, de solidarité internationale. Ça vient. Le terme de solidarité internationale, hein. Je sais pas, c'est une entraide financière ou une contribution directe par le biais d'associations ou choses comme ça. Bon, ben après, je pense que c'est aider un peu tout le monde, hein, oui. Un peu cette planète qui n'est pas forcément d'accord. Tout à fait. Mais bon, voilà. C'est de participer. C'est participer, voilà. Pour le bien commun. Donc, pour tout le monde. Les d'accord. Enfants, tout ça. Ça fait référence à des ONG, des choses comme ça. Oui. Médecins du Monde, Médecins sans frontières, mm-hmm. des choses qui vont aider effectivement dans les pays où il y a des difficultés. Je pense que la solidarité internationale, elle existe surtout quand il y a des événements, style le tsunami, tremblement de terre, voilà, catastrophe naturelle, oui. Après, je sais qu'il y a des gens qui œuvrent quand même sur le terrain. Hein. Mm-hmm. Je pense au CCFD, mm-hmm. qui ont des personnes sur place dans certains pays pour justement aider les gens sur place à créer des choses, à s'en sortir. Solidarité, mais il y a eu quand il y a eu le tsunami, quand il y a eu des événements comme ça. Oui. C'est l'humanité. Hein. Oui. Je pense que c'est nécessaire et c'est bien. Les associations en fait qui vont dans des pays étrangers pour aider en fait la reconstruction d'écoles, des choses comme ça. Oui. Et puis aider les familles en difficulté en fait, toutes ces choses-là. Donc je sais que Vertu est très impliqué dans ce genre de choses. Ils font beaucoup de choses au niveau des associations. Dans divers pays, dès qu'il y a une catastrophe, on est très très impliqué, ville de Vertu. Malheureusement, c'est très utile, c'est d'actualité, oui. Puisque dans le monde, hein, on ne peut pas dire que ça soit la joie partout. Mm-hmm. On est quand même assez privilégiés chez nous. Ça devrait être l'entraide entre les gens et entre les pays. Solidarité, c'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses. Après, il y a beaucoup à faire là-dedans. La solidarité, j'ai l'impression que c'est un grand sac dans lequel on met un peu de tout. Hein. Il y a des très bonnes choses, on peut en retirer de très grandes choses même. Après, il y a du tri, comme je le disais. Je pense aux pays en difficulté. Oui. Je pense aux pays d'Afrique, plus particulièrement. D'accord. Voilà. L'Afrique, parce que ça évoque pour vous quelque chose. Parce que j'ai une connaissance qui a adopté un enfant là-bas. D'accord. Il n'a pas des conditions de vie là-bas. Et donc, dans quel pays? Alors, c'est dans quel pays? Je ne peux pas vous le dire, je ne sais plus dans quel pays, mais en tout cas, il m'en a parlé, des d'accord. conditions de vie assez plus que précaires. Quoi. D'accord. Ah c'est une nécessité. Là, je suis avec des gens du Mali, avec une association qui envoie du matériel au Mali, donc je parraine également toute l'association. D'accord. Pour les petits Maliens. Alors, j'ai quelqu'un de la famille qui a une association à Madagascar. D'accord. Qui a carrément... hôpital, école, tout ça, donc je suis dans la famille déjà. Oui, vous êtes déjà intégré voilà, dans le processus. Déjà intégré. L'aide entre les pays, aide ça. D'accord. Mm-hmm. Est-ce que vous-même, vous êtes engagé dans une association humanitaire vers Vienne? Non, non. Non, mais on aide financièrement. Travailler, non, aider, oui. Oui, oui, nous, vous voyez, on a, avec mon épouse, Solidarité, on envisage... vous savez, d'essayer de garder les enfants qui viennent se faire hospitaliser. D'accord, de pays, de... Voilà, famille d'accueil pendant d'accord. 15 jours ou 3 semaines, d'accord, voilà un petit peu. Moi, donc ça, c'est votre projet, en fait. Voilà, tout à fait. Vert à Vienne, non, mais dans une association Folle Secours Populaire, caritative, oui. Caritative, d'accord. Et qu'est-ce que ça représente pour vous? Qu'est-ce que ça représentait? Quelles étaient vos motivations? D'aider, donner un peu de temps. Ça vous semblait important? Oui, oui, oui. Ça me semble toujours important. Ça me semble toujours important. Non, déjà parce que j'ai pas le temps, et puis voilà, tout simplement. Ou par des dons, autrement. À part des dons, ça c'est autre chose. Oui, oui. Mais physiquement, non, j'ai pas le temps. Je travaille encore. Ça peut évoquer des associations, effectivement, comme Handicap International, ou Médecins Sans Frontières, ou des choses comme des associations de ce type. Mais c'est vrai que, à part quelques dons, je ne suis pas impliqué dans ce type d'association. Oui. Quel cadre? Plus commercial? Je ne sais plus trop dans quel cadre, mais oui, d'accord. Mais... on est beaucoup sollicités comme j'ai un commerce. D'accord, vous avez l'occasion de Voilà, je fais tous les ans, je fais financièrement
pas mal de petites associations. C'est très dur quand on est dans le monde du travail. L'année dernière, j'ai voulu justement participer au Secours Populaire. Mais c'est très dur parce qu'on n'a pas du tout les horaires qui correspondent à leurs besoins. Mm-hmm. Et bah, souvent, les portes se ferment. On dit bah, non, on peut pas, on n'a pas besoin. Enfin, on n'a pas besoin, entre guillemets, de vous. Oui, c'est les difficultés que vous rencontrez. C'est les difficultés. Et j'ai d'autres amis dans le même cas que moi qui voulaient faire des choses. Mais quand on travaille, bah, non, parce qu'on est libre que le soir. Non, si, c'est l'UNICEF. Un souhait peut-être plus tard si j'ai un peu plus de temps, mais là avec les enfants je m'engage déjà dans les associations sportives un petit peu. Donc, d'accord. Pas dans une association particulière, mais de participer par autre moyen, par le biais de dons ou de choses comme ça, mm-hmm. mais pas particulièrement d'une association individuelle. Non, pas sur Vertu. D'accord. Pas association humanitaire, non. Moi, je fais partie d'une association vertabienne, oui. Oui, mais pas dans ce cadre-là. Non, pas dans ce cadre-là. Est-ce que c'est éventuellement un souhait que vous auriez de vous engager un petit peu? Peut-être bien, à la retraite, oui. À la retraite, oui. Plus. Vous avez déjà une idée ici de... Pas encore, non. Non, je crois qu'à ce moment-là, je fais le tour un petit peu de ce qui existe pour après pouvoir choisir, oui. D'accord. Humanitaire, non. Je suis bénévole dans une association sportive, mais pas humanitaire, pas encore. À humanitaire, non, mais association sur Vertou, oui. Notamment l'office du tourisme pendant une trentaine d'années. Mais humanitaire, non. Vous avez les projets, par exemple, que la ville soutient en lien avec les associations locales vertes à Vienne? Non, pas vraiment. Si je parle des papiers de l'espoir, des amis. Oui, des choses comme ça, oui, des choses comme ça, mais vaguement. Quoi. Disons que d'accord. Je suis ça de très loin quand d'accord. même. Hein. Pas beaucoup. J'ai un petit peu ce qui se concernait, ce qu'ils font toujours, là, les papiers. Les papiers de l'espoir? Les papiers de l'espoir, voilà. Parce que dans l'entreprise où je travaillais, on avait mis en place quelque chose avec eux. Avec eux, pour la collecte des papiers. Pour la collecte des papiers. D'accord. C'est la construction d'écoles, de choses voilà, comme ça. Voilà, ils sont dans une démarche éducative auprès des enfants. Mais après, sur Vertou, je ne sais pas exactement ce qu'il y a. Je vois ça sur Vertou Magazine, oui. Notamment, bon, parce que c'est une bonne chose. Hein. D'accord. Je sais que la ville s'implique au Mali, on trouve. Oui, au Mali. Oui. Voilà, elle porte des projets avec des associations humanitaires, comme les Amoureux du Désert. Oui, tout à fait. Non, je sais que pour le... Je ne sais pas si c'est pour le Mali, là. Oui, mais, avec les Amoureux du Désert. Avec les Amoureux du Désert. Entre autres pour Haïti. Je sais que l'année dernière, il y a eu quelque chose de fait. Donc, il y a eu des dons d'envoyer. Il y a eu une collecte auprès en fait, des Vertaviens qui a été faite pour pouvoir envoyer à Haïti. Et puis, je sais qu'il y a une association aussi, les Amoureux du Désert, qui fait en fait une collecte au niveau des gens, soit des denrées alimentaires ou éventuellement des vêtements pour aider dans les pays étrangers. Mm-hmm.